Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien, moi je suis très content de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et dans une toute nouvelle saison. Pour cette première de cette saison 2017-2018, on va faire la deuxième contribution Ulule. Comme je l'avais dit dans la première précédente, après la bande dessinée, je vais vous parler de la cuisine. Et plus précisément asiatique. Parce qu'aujourd'hui je suis avec Flavien. Salut Flavien. Ça fait rien. Merde. Je suis avec Florian, salut Florian. Salut. Tu as lancé une campagne Ulule, ouais, qui a plutôt bien marché du reste, et qui est justement un restaurant japonais. J'ai pas appelé ça un restaurant japonais, mais un restaurant Tokyo Eat. Quand je dis restaurant japonais, le problème c'est qu'on pense tout de suite au sushi. Et l'idée c'est de pouvoir proposer autre chose en termes de nourriture. Et donc ton restaurant s'appelle Aoyama. Aoyama, c'est un quartier de Tokyo qui se trouve au centre de la ville. C'est un nom qu'on prononce peu parce qu'on vit là-bas en fait. Donc t'as plusieurs stations de métro qui se trouvent dans ce quartier-là. Mm-hmm. Et on va plutôt dire on se retrouve à Omotesando qui se trouve dans Aoyama. Et j'ai choisi ce nom-là tout simplement parce que c'est là-bas que j'ai eu cette idée de ce projet. Et je me suis inspiré de différents établissements qui se trouvent dans ce quartier. Ah, tu me retires les mots de la bouche parce que j'allais te demander justement. Mais toi à la base, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on en a pas parlé de ça. J'ai fait mes études à Lille en communication marketing. Et avant, je travaillais dans le marketing digital dans les cosmétiques. Alors comment on passe de la communication à la cuisine? En cuisinant. J'aime cuisiner ne serait-ce que pour mes proches quand je les reçois à dîner. Et là un aspect que je souhaite aussi mettre en avant c'est tout ce qui est pâtisserie. Je me suis mis à pâtisser depuis le début de l'année pour justement pouvoir proposer des alternatives. T'as trop regardé M6 toi? Ah non du tout, je regarde même pas la télé. Non parce que c'est ce qu'ils disent justement dans les émissions de pâtisserie. À vos marques, prêt, pâtissé, donc pour ça, je sais ce que t'as regardé, j'ai regardé M6. On va faire un truc un peu spécial, enfin plutôt comme tout le monde le fait, hein, les David Lafarge, la Drigue ou quoi. On va manger devant vous quelques deux petits plats, bah oui, on était bien obligés. Donc du coup, on va déguster un plat et un bon dessert, et puis on vous donnera votre avis pendant qu'on déguste. Allez, c'est parti. Pour ce premier plat, on a un petit bol de riz, hein, tout ce qui est plus banal. On a un petit peu de brocoli, on a un peu de poulet. Ah non, qu'est-ce que c'est? C'est du tofu en fait. D'accord, le tofu c'est quoi en fait? Du tofu c'est du soja. Alors là il est ferme, là pour le coup il est frit. Donc en fait c'est un légume, c'est ça? Ah non du tout. C'est à base de protéines en fait. D'accord. Donc ça peut remplacer de la viande par exemple. Alors ce que je te conseille c'est quand même de manger ça avec ton riz. Le tofu avec le riz? Ouais, pas le manger nature, ce sera meilleur. Bon bah y a plus qu'à y aller hein, du coup. C'est bon. Alors moi j'avais déjà goûté une soupe de tofu, le Tokyo je crois, qui est à côté du Printemps à Lille. J'ai pas trop apprécié l'odeur qu'elle dégageait de la soupe, mais là franchement c'est vachement bon ce bazar. L'avantage de le manger comme ça c'est que ça passe mieux je dirais. Bah franchement c'est la première fois que je mange du tofu comme ça et super bon. Il y a de l'oignon, il y a de l'ail aussi, un peu. Ah, c'est ça qui relève un peu le goût du coup. Franchement c'est un délice. On va passer au dessert, et du coup le dessert c'est... un cheesecake. C'est un cheesecake japonais, la différence avec un cheesecake plus classique, comme on connaît new-yorkais tout ça, c'est que c'est beaucoup plus léger. On n'a pas de glaçage et c'est une seule et même... c'est un seul et même gâteau en fait. C'est pas... comment dire... Disons que t'as pas une pâte. Ouais. Et au-dessus avec... Oui, les techniques sont différentes quoi. Oui exactement, c'est pas du tout ça. Comment c'est pas bon ce truc? Sympa. Donc ça veut dire que c'est cuit à haute température et puis à un moment donné on rebaisse la température. C'est jamais à haute température mais en effet on baisse la température à un moment en fait. Je pensais que c'était une cuisson basse et longue. C'est un peu ça. Pour ouais. Faire quelque chose de... C'est ça. J'en ai jamais mangé ces trucs là. L'idée après ce serait de l'accompagner avec une petite crème. Une crème anglaise ou... Ouais ou juste une crème... un peu comme une crème chantilly mais plus légère. Je sens un goût de vanille, c'est moi ou... C'est toi. Ok j'ai rien dit. Donc du coup, ton restaurant s'appelle Aoyama. C'est ça. C'est une montagne bleue, je crois. C'est ça, Aoyama, ça veut dire la montagne bleue. Rien à voir avec mon projet. D'accord. Mais voilà. Oui, parce que ça serait long à construire, du coup. Est-ce qu'il y a une date, justement, d'ouverture? Alors, il n'y a pas de date. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir d'ici la fin de l'année ou début 2018. Tout dépendra des travaux qu'il y a à faire dans le local. Et de toute la mise en œuvre avant l'ouverture. En attendant, moi, j'essaye de communiquer sur le projet via les réseaux sociaux. Je me suis pas mis sur Twitter. D'accord. J'ai préféré me focaliser sur Facebook et Instagram. Donc c'est sur Aoyama Lille. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire ou partager. Puis voilà. Sayonara Tomodachi.